Et puis, ah, on n'est pas lundi, mais c'est aujourd'hui que la nouveauté va passer. Oui, en ce mardi, eh ben, je vais vous présenter, donc, comme promis, Steam Dolls, ce jeu un petit peu à part, puisque en fait, il fait partie d'une expérience cross-média qui va réunir l'univers de la bande dessinée avec celui du jeu vidéo, et notamment au travers de ce titre, Steam Dolls, et également d'une extension en VR pour les gens que ça intéresse et qui sont équipés. Ce que je vais faire, bah, je vais vous laisser voir le jeu sans trop de commentaires, les différents passages qu'on peut y trouver, pour que vous découvririez avec moi ce que nous réserve le titre. Et puis je vous retrouve sur la fin de la chronique pour vous en parler plus en détail et commenter ce qu'il est nécessaire de commenter. Allez, c'est parti, on fonce dans l'univers sombre de Steam Dolls. That ship soon. I must gain higher ground.
Swindles, c'est donc une espèce de Metroidvania. En fait, vous allez voir qu'il rappelle beaucoup, 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 beaucoup un autre titre sur lequel je vais revenir dans pas longtemps. On se balade dans des tableaux, on tatane, on essaye de passer les obstacles, de contourner les ennemis ou de les éradiquer. Et bien entendu, on a une map. Et la map, elle est pas petite, hein. Oui, c'est ça ma map. Moi, je suis parti de tout là-bas à gauche. Et donc, je me suis fait tout ce trip là. Avec différentes embûches pour en arriver à un endroit où je ne sais pas, vu que je reprends le jeu et ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté. Et je suis par là et je dois aller plutôt à droite, je pense, mais c'est fermé. Et pour aller à droite, il faudra peut-être que j'aille à gauche. Va savoir. On va aller jeter un œil à gauche. Alors, qu'est-ce que j'ai comme coup? Voilà, c'est important les coups. Ouh, ça va mal se passer, les gars. Pas pourquoi. Bah, vous allez les voir les coups. Vous allez les voir assez rapidement. Donc j'ai le coup d'épée. J'ai aussi un petit jet de poignard qui est bien pratique pour notamment ça. Et puis j'ai pas mal de choses à activer. J'ai le saut bien entendu. J'ai un comment on dit. Ça y est, j'ai paumé le nom. Oh, c'est dommage. Si près du but. Bon, ça s'est très bien passé. J'ai un drift, un strafe, voilà. Qui me permet donc d'esquiver. Et je viens d'activer quelque chose qui me permet de descendre ou de passer tout à droite. Le gros dilemme étant de savoir si je descends ou pas. Oui, parce qu'on est un petit peu en mode Metroidvania. Et donc, si on regarde... Je vais descendre, mais est-ce que ça va me faciliter la vie pour autant? Pas sûr, par contre, il devrait y avoir des bonus. Allez, on va jeter un oeil, hein, la curiosité tue. Et vous savez bien que dans TBG, on n'a jamais peur de mourir. Desire, as long as you promise to love me forever. Again. That's tempting. But I'm not really into that kind of commitment, whatever you are. Alors, niveau coup, je vous ai pas fait voir encore tout, puisqu'on a un mode infiltration qu'on peut déclencher avec une gâchette. Qui vous permet d'approcher très doucement dans le dos d'un ennemi pour lui saccager la gueule, comme on dit couramment dans le langage technique. Je crois que j'ai pas trop le choix là. Allez, tout est dans le timing. Ouais, ben c'est déjà pas ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être chaud chaud ce passage. Oui, les plateformes et moi, une grande histoire d'amour encore. Ah non! Dommage. Il y avait un bout d'idée, mais... On va attendre le bus. Avec la vie qui me reste, ça va être un peu tendu de passer, je pense. Donc ouais, je disais, il y a un petit rapprochement avec Gods qui est assez marrant, puisque c'est vraiment le même principe de jeu. Des salles, de l'exploration, des mécanismes à déclencher, de la tatane ou des obstacles à éviter. Et du coup, c'est assez rigolo.
Mon taxi est loin. Taxi. Alors, tout l'univers, bien entendu, bah, il est issu de la BD. Et du coup, c'est assez marrant d'avoir une expérience comme ça qui va mélanger, ben, ce que des gens peuvent déjà connaître en l'ayant lu. Et du coup, ça va être vachement bien. N'attends pas, lui, hein. Sachant que de surcroît, il n'y a pas que ce jeu-là qui est sorti concernant Steam Dolls. Vous avez également un jeu en VR qui est sorti. Et ouais. C'était échec. Je voulais vous faire voir le coup justement où on peut latter la gueule de quelqu'un en le massacrant par derrière. Et je crois que j'ai un petit peu fêlé, comme on dit. J'arriverai pas à la prendre cette plateforme, bordel. Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas, quoi. Quand ça veut pas, c'est un vieux dicton, hein. Quand ça veut pas. Ça ne veut pas. Il y a des moments où on n'est pas trop sûr que ça va passer, quoi. Oui, la discrétion et moi, vous connaissez bien, Monsieur K, dans les jeux. L'infiltration, c'est mon skill essentiel, quoi. Discret, toujours. Efficace. Je sens la mauvaise blague par là-dessous. J'ai pas envie d'aller au bout. Je sens que je vais me faire. Je vais regarder la map. Je sens que je vais me faire avoir bêtement, lourdement et de la pire façon qui soit. Faudrait que je passe au-dessus. Mais pour passer au-dessus, il faut que. Faut que t'ailles au bout. Et que tu fasses le grand saut. Allez, on y croit. On y croit? On y croit. Qui se moque de moi? Ça va mal se passer pour moi, ça va très très mal finir, je pense. C'est un murmure, ça. Ok, un murmure qui est pas loin du chuchotement d'ailleurs. Oh, c'est un terreau dessus en plus qui pourrait me servir. Et je suis Queen, c'est peu cher.
Il doit y avoir un passage par en dessous, je pense. Ah, faut tout que je me retartine. Non, non, non. Pitié. J'arriverai jamais à vous faire voir le fameux coup, le skill de la discrétion ultime. Ah, qu'est-ce que j'ai déclenché? Voilà qui sera fort pratique, cher ami. Je ne donne pas cher de ma peau si je ne trouve pas de bonus. Ah, ça va pas être de la grande démo aujourd'hui avec Monsieur K, je pense. Oh purée, je ne sais pas sauter. Alors moi, c'est ça que j'aime pas dans ces jeux-là, c'est cette raideur. La raideur typique qu'on retrouvait à l'époque dans Ghost, justement. Où bah, je faisais les mêmes genres de conneries, j'arrêtais pas de me casser la gueule. Et quand vous tombiez de très très haut, c'était assez douloureux de devoir tous retartiner. Avec tous les obstacles, les lasers, les conneries comme ça. C'était un poil chocho. Je ne suis pas là. Tu ne me vois pas. Oh, cet échec. Alors le jeu est relativement généreux en bonus hein, pour que vous puissiez vous en sortir. Donc du coup, rien n'est impossible. Niveau difficulté, c'est relativement simple. Je vous garantis que là, c'est pas terrible parce que c'est moi qui fais le boulet, comme d'habitude. Mais que seriez-vous si je ne faisais pas le boulet pour vous faire voir ce qu'il faut pas faire, hein, les amis? J'ose pas trop te tracer. First, I guess. Donc voilà, c'était tout pour la démo de The Steam Dolls, puisque effectivement, ce que je vous ai fait voir, c'est une démo, et si vous voulez vous faire une idée du jeu, et surtout de sa maniabilité qui est un peu particulière pour voir si elle vous plaît ou pas, bah, je vous invite à aller sur Steam, et puis récupérer cette démo et faire comme moi, l'essayer tout simplement. Donc Steam Dolls, bah oui, une expérience cross-média, puisque vous avez déjà plusieurs tomes de bande dessinée, pour régaler votre curiosité et plonger dans l'univers de cette histoire. Et de surcroît, vous avez deux jeux, celui qu'on vient de voir, Steam Dolls Order of Chaos, et vous avez également un jeu en VR qui est prévu. Et j'ai plus de matériel, et donc je ne pourrai pas vous le faire voir. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, à tout bientôt. Ciao.